Dans cette vidéo, nous allons parler d'applications linéaires entre deux espaces vectoriels et de leur représentation par des matrices. Donc, commençons comme toujours par le commencement. Qu'est-ce que c'est une application linéaire? Par définition, c'est une application F définie entre deux espaces vectoriels, donc grand E et grand F ici, sont des espaces vectoriels. Et une telle application est linéaire. Si et seulement si, pour tout x, y dans E, donc pour tout vecteur de E, pour tout couple de vecteurs de E, et pour tout lambda mu scalaire, donc des réels, on a f de lambda x plus mu y égale lambda fois f de x. Plus mu fois f de y. Et donc, on va noter joli L de EF, l'ensemble de toutes les applications linéaires de E dans F. Et un mot de vocabulaire que vous risquez de voir revenir souvent, c'est celui d'endomorphisme. Donc là, on a parlé d'application linéaire. Un endomorphisme, c'est une application linéaire qui va d'un espace vectoriel E dans le même espace vectoriel E. Donc si on reste dans E, si E égale F, on dit que les applications linéaires sont des endomorphismes. Et on note L de EE, on va le noter simplement L de E. Donc L de EE, hein, on ne fait pas de doublon, on le note simplement L de E. Voilà pour les définitions, notations, vocabulaire. Une première remarque importante, qui va vous rappeler un peu si vous avez vu la vidéo sur les sous-espaces vectoriels, ce qu'on a dit sur les sous-espaces vectoriels, c'est que si f est linéaire, alors l'image du vecteur nul par f, c'est l'image du vecteur nul du coup de E par petit f, c'est le vecteur nul de grand F. Donc si on vous demande de vérifier si une application est linéaire, vous pouvez vérifier ça, en général c'est très rapide. Et si ce n'est pas le cas, alors il n'y a aucune chance que l'application soit linéaire. Comment on voit ça? Bah, il suffit d'appliquer ceci, la définition d'une application linéaire. On prend x quelconque, lambda égale 0, y égale vecteur nul et mu égale 0, et on obtient f de vecteur nul égale 0 fois f de 0 plus 0 fois f de 0, et on obtient bien le vecteur nul de f en utilisant les propriétés des espaces vectoriels. Donc, voyons tout de suite un exemple. Simple pour commencer. Donc, on va considérer l'application de R3 dans R2 qui a x, y, z. Associe 2x plus y, y plus z. Et cette application-là est linéaire. Comment on le vérifie? Bah, tout simplement avec la définition, hein, là pour le coup, il y a juste un petit calcul à faire. Si je prends deux vecteurs de R3, donc je vais prendre U c'est x, y, z et V c'est x prime, y prime, z prime dans R3. Je prends lambda mu de réel. Je calcule f de lambda u plus mu v et je vois ce que ça me donne. Est-ce que ça va ou pas vérifier la définition? Est-ce que ça va bien me donner
lambda f de u plus mu f de v. Alors, qu'est-ce que ça me donne f de lambda u plus mu v? Du coup, c'est f de lambda x plus mu x prime, lambda y plus mu y prime, lambda z plus mu z prime. Ça, c'est tout simplement lambda u plus mu v détaillé en coordonnées. C'est lambda z plus mu z prime. Maintenant, on utilise la formule qui nous donne f pour calculer. Ça nous fait donc f de un vecteur à trois coordonnées. Je prends deux fois la première coordonnée. Donc j'ai 2 lambda x plus 2 mu x prime plus lambda y plus mu y prime plus la deuxième coordonnée. OK? Et maintenant, je prends la deuxième coordonnée lambda y plus mu y prime plus la dernière lambda z plus mu z prime. Là, j'applique la formule de f au vecteur lambda u plus mu v dont les coordonnées sont données par ceci. Et maintenant, moi, ce que je veux à la fin, c'est obtenir lambda f de u plus mu fois f de v. Donc, je vais mettre d'un côté tout ce qui dépend de lambda. Je vois qu'ici, j'ai lambda fois 2x plus y. Puis de l'autre côté, je vais mettre tout ce qui dépend de mu. Plus mu fois 2x prime plus y prime. Très bien. Pareil avec la deuxième coordonnée. Je mets lambda en facteur, ça me fait lambda y facteur de y plus z. Mu en facteur, je trouve mu facteur de y prime plus z prime. Fort bien. Et maintenant, je sépare. Donc je vois qu'ici, ce vecteur-là, en fait, je peux l'exprimer comme la somme de. Que ici on a lambda et ici lambda, lambda fois le vecteur de R2, 2x plus y, y plus z, plus mu fois le vecteur de R2, 2x prime plus y prime plus z prime. Or ça tombe bien, puisque lui, c'est justement f de x, y, z, c'est f de u. Et lui, c'est f de x prime, y prime, z prime, donc c'est f de v. Donc ici, je récupère bien f de lambda u plus mu v, c'est lambda fois f de u plus mu fois f de v. Cette application, elle est bel et bien linéaire. Et on va la garder dans un coin de nos têtes pour s'en servir dans le reste de cette vidéo comme exemple pour tester les différentes notions qu'on va voir. Donc, l'intérêt des applications linéaires, enfin un de leurs avantages, disons, c'est qu'on peut utiliser les matrices pour les représenter et ça nous simplifie beaucoup la vie pour faire des calculs avec. Donc, comment est-ce qu'on trouve la matrice d'une application linéaire? Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Donc, représentation par des matrices. Donc la première chose à noter, c'est que pour obtenir une représentation d'une application linéaire par une matrice, ça va dépendre de. Il va falloir choisir des bases sur nos espaces vectoriels au départ et à l'arrivée. Et la matrice qu'on va obtenir, elle va dépendre de quelle base on a choisie. Donc on va prendre une base E1, En, donc F, pardon. On va essayer de représenter par une matrice l'application linéaire. Petit f qui va de E dans grand F. On va prendre une base de E. Vous vous rappelez, ça veut dire qu'on peut exprimer tout vecteur de E comme combinaison linéaire de E1 patati patata jusqu'à En de manière unique, ce qui nous donne des coordonnées pour chaque vecteur dans la base E1 patati patata jusqu'à En. Pareil, si je prends une base F1 patati patata jusqu'à FP de F, ça veut dire que chaque vecteur de f peut s'exprimer sous la forme de p coordonnées dans la base b'. D'accord? Qu'est-ce que ça me donne ça? Bah, du coup, maintenant, si je prends f de e1, donc e1 c'est un vecteur de e,
Je peux prendre son image par petit f, j'arrive dans grand F. C'est donc un vecteur de grand F. Il a des coordonnées dans la base B'. Je peux l'écrire A11 fois F1 plus A21 fois F2, deuxième coordonnée dans la base B', plus patati patata, plus AP1 fois FP. Donc ici, ce que j'ai fait, si vous vous en rappelez plus, vous pouvez regarder la vidéo sur les bases, c'est que j'ai pris les coordonnées du vecteur F2E1 dans la base B'. Et ça va me donner la première colonne de ma matrice. Donc la matrice qui représente F dans les bases B et B', ce que je vais noter F entre crochets B, B', sa première colonne va être donnée par les coordonnées de F de E1, de l'image par F du premier vecteur de la base de E, dans la base sur F. Donc la première colonne de la matrice de F dans les bases B et B', ça va être les coordonnées de F de E1 dans la base B'. Donc ça, en fait, la première colonne, c'est le vecteur que je vais noter. Donc c'est le vecteur F de E1. Et pour montrer qu'on a pris ces coordonnées dans la base B', je vais le mettre entre crochets avec un B' en dessous. OK. La deuxième colonne, ça va être l'image de F2, l'image de E2 par F dans la base, en coordonnées dans la base B'. Donc ça m'a donné la première colonne de la matrice. Et plus généralement, pour trouver la jème colonne de la matrice, je prends le jème vecteur de la base B ici, et c'est un vecteur de grand F, donc je peux l'écrire en coordonnées dans la base B'. Ça me donne des coordonnées A1J fois F1 plus A2J fois F2 plus patati patata plus APJ fois FP. Ça, c'est encore une fois les coordonnées du vecteur F2EJ dans la base B'. Et ça me donne la jème colonne de la matrice qui représente F dans les bases B et B'. Voilà, ici je vais avoir la jème colonne, ça va être du coup A1J, A2J, patati patata, jusqu'à APJ. Et je calcule comme ça, F2E1, F2E2, toutes les colonnes les unes à la suite des autres, jusqu'à la dernière. L'image de EN écrite en coordonnées dans la base B', qui me donne la dernière colonne. Donc la jème colonne de la matrice de F dans les bases B et B', c'est l'image du jème vecteur de B exprimé dans la base B'. Et ça me donne donc une matrice comme ça, qui a du coup P lignes et N colonnes. Autrement dit, elle a dimension de F colonne. Pardon, elle a dimension de F ligne, P ligne. Et dimension de E colonne, N colonne. N, c'est la dimension de E, P, c'est la dimension de F. Et j'obtiens ainsi une matrice qui appartient à, du coup, MPN de R. Alors, une remarque sur les endomorphismes, c'est que si F est une application linéaire de E dans E, en général, on prend la même base au départ et à l'arrivée, et on appelle ça la matrice de F dans la base B, tout simplement. Et on note F entre crochets, base B. Et souvent, quand on étudiera une fonction
une application linéaire de Rn dans Rp, on regardera sa matrice dans la base canonique, dans les bases canoniques de Rn et de Rp. En général. Donc, à quoi ça nous sert tout ça? Ça nous sert parce que cette représentation matricielle facilite les calculs. Qu'est-ce que j'entends par là? Si je prends x un vecteur de E, x du coup je peux l'écrire dans la base B, ça va être égal à x1, E1, plus etc., plus xn, En. Je vais noter x entre crochets B, le vecteur x1, patati patata, jusqu'à xn. Donc un vecteur colonne comme ça qui représente le vecteur qui représente les coordonnées du vecteur x dans la base B. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Si je calcule f de x, f de x du coup c'est un vecteur de f. On peut donc le représenter dans la base B' comme on vient de faire avec x, ça va nous donner un vecteur colonne que je vais noter f de x entre crochets B' pour montrer qu'on l'a représenté dans la base B'. C'est un peu lourd, on ne s'en passera pas avec ces notations indéfiniment, c'est juste pour expliquer le concept. Et bien ce vecteur, on peut le calculer en multipliant la matrice de f dans les bases B et B' par le vecteur colonne qui représente les coordonnées de x dans la base B'. B, dans la base B, pardon. Donc ça nous permet comme ça de calculer par une multiplication matrice-colonne, matrice fois vecteur-colonne, les images de n'importe quel vecteur par f du moment qu'on peut l'exprimer dans la base B. Alors ça a l'air un peu évident si on pense à des applications de Rn dans Rp, de R2 dans R3, tout ça, ça paraît à ta mère à voir, on n'a pas l'impression d'avoir gagné grand-chose. Mais si on a des espaces vectoriels plus abstraits, des espaces de polynômes, des espaces de ce type-là, utiliser les matrices nous permet de faire des calculs beaucoup plus facilement, je pense par exemple à l'espace des polynômes de degré 18, que s'il faut qu'on écrive des polynômes de degré 18 indéfiniment avec des x puissance truc pour truc allant de 0 à 18, c'est assez pénible. Alors qu'avec les matrices, du coup, on se ramène finalement à faire comme si tout vivait dans Rn et à calculer et à faire des produits matrices fois vecteur colonne. Un autre avantage, c'est que si f va encore de petit e de grand E dans grand F, et que j'ai ensuite une autre application linéaire G qui va de grand F dans un troisième espace vectoriel grand G, que je prends des bases sur chacun de ces espaces vectoriels, alors je peux trouver facilement la matrice de l'application G rond F, du coup, pas F rond G. La matrice de l'application G rond F, donc G rond F, ça va aller de E dans grand G directement, et sa matrice dans les bases B et B seconde, ça va être la matrice de G dans la base B' B seconde, multipliée par la matrice de F dans les bases B et B'. Donc on peut se ramener à calculer un produit de matrice au lieu de calculer une composée d'applications linéaires, ce qui en général est beaucoup plus rapide. Et là où on gagne quelque chose aussi, c'est que du coup, si F est un endomorphisme, la matrice qui représente l'application F composée n fois, F rond F rond F rond F rond F n fois, dans la base B, on a dit, hein, pour un endomorphisme en général, on prend la même base au départ ou à l'arrivée. Ici, du coup, si je fais F rond F rond F n fois, la matrice qui représente cette application, c'est la matrice de F dans la base B à la puissance n.
Et ça, c'est très pratique si vous avez des procédés itératifs, donc si vous avez un algorithme qui vous demande de faire une certaine opération linéaire plusieurs fois de suite. Si vous essayez de prendre l'application linéaire qu'on a... Alors, ce n'était pas un endomorphisme, mauvais exemple. Si vous essayez de prendre un endomorphisme quelque part dans les exercices et de calculer avec les x, les y, ça composé 30 fois, ça va être rapidement très pénible. Mais cela dit, si vous pouvez la représenter matriciellement, calculer des puissances de matrice, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est facile, mais c'est un calcul beaucoup moins lourd. Et du coup, si vous avez un procédé itératif à faire, c'est une façon beaucoup plus efficace de le faire. Donc ça, c'est les gros avantages du produit de la représentation matricielle des applications linéaires, dont on reparlera dans la prochaine vidéo, notamment quand on parlera de noyaux et d'images d'une application linéaire. Mais avant ça, donc reprenons notre exemple. Voyons ce que ça donne. Peut-être ici, jusqu'ici, ça vous paraît un peu abstrait. Il faut exprimer l'image du vecteur, du jm vecteur de la base B dans la base B', et on met ça en colonne et ça nous donne une matrice. Peut-être c'est un peu flou. Donc voyons ça sur un exemple. On va reprendre notre application de R3 dans R2 qui a x, y, z associé. Deux x plus y, y plus z. On a déjà vérifié que celle-là était linéaire, donc on va pouvoir la représenter par une matrice, parce qu'évidemment ça ne marche qu'avec les applications linéaires. Et on va la représenter dans les bases. B0, ça va être E1, E2, E3, c'est la base canonique. De R3 et B0', je vais la noter E1', E2', c'est la base canonique de R2. Donc qu'est-ce que ça me donne? Comment j'obtiens la matrice de F dans les bases B0 et B', les bases canoniques de R3 et de R2? Ben, on a dit je calcule l'image par F du premier vecteur de la base B0, F de E1, c'est-à-dire F de E1, c'est le vecteur 1, 0, 0. Et avec la formule de f, je vois que j'obtiens le vecteur 2, 0. Autrement dit, si je le décompose, c'est un peu évident, hein, mais si je le décompose dans la base B0', ça me donne 2 fois E1', 2 fois le vecteur 1, 0, plus 0 fois E2', 0 fois le vecteur 0, 1. Donc la première colonne de la matrice de F dans les bases B0, B0', ça va être 2, 0. Pour avoir la deuxième colonne, je calcule F de E2, c'est-à-dire F du vecteur de R3, 0, 1, 0, ce qui me donne le vecteur... Alors, si je remplace, tac, 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 ça me donne le vecteur 1, 1. Voilà. C'est-à-dire, pour tout détailler, hein, 1 fois E1' plus 1 fois E2'. Donc les coordonnées de F de E2 dans la base canonique de R2, c'est 1, 1. Donc la deuxième colonne de la matrice de F, c'est 1, 1. Et du coup, F de 3, je calcule F de 0, 0, 1, ça me donne 0, 1. C'est-à-dire 0 fois E1' plus 1 fois E2'. Cette dernière partie-là avec la base canonique, ça a l'air un peu à enfoncer des portes ouvertes, mais on verra quand on prend une autre base que c'est quand même utile de l'écrire. Et j'obtiens ainsi la matrice de F dans les bases B0, B0'. Et ce que vous pouvez vérifier, c'est que si je prends x, y, z dans R3, du coup x, y et z, ce sont les coordonnées du vecteur x, y, z dans la base canonique, hein, on l'appelle canonique parce qu'elle est vraiment simple. Et vous voyez que si je multiplie cette matrice par le vecteur x, y, z, je récupère bien f de x, y, z, c'est dans la base canonique de R2, 2x plus y plus 0z, 0x plus y plus z. Ok, ça c'était la matrice de f dans la base canonique. On a vu cependant que les matrices n'ont pas la même tête si on change de base.
puisqu'on ne calculera pas l'image des mêmes vecteurs. Mais histoire de fixer les idées, voyons-le sur un exemple. Donc je vais appeler B1 la base suivante, 1, 1, 0, 1, 0, 1 et 0, 1, 1. Donc là, exercice, attendez, il faut d'abord que j'introduise. B1', c'est la base que je vais prendre sur R2, ça va être la base 0,1, non 1,0, pardon, 1,1. Donc, je vais appeler ces vecteurs F1, F2, F3, et dans R2, F1', F2'. Et si vous avez envie de vous entraîner, vérifier que ce sont des bases de R3 et de R2 respectivement. Moi, pour le moment, je vais l'admettre. Qu'est-ce que ça me donne du coup la matrice de F dans les bases B1 et B1'? Pour le savoir, je calcule l'image des vecteurs de B1, donc F2, F1, c'est F2, 1, 1, 0. On prend la formule de F, ça me donne 3, 1. Ça ne veut pas dire que la première colonne de la matrice de F dans les bases B1 et B1', c'est 3, 1. Parce qu'il faut maintenant exprimer ce vecteur de R2, non pas dans la base canonique, comme il est ici, mais dans la base F1', F2'. Et donc, 3, 1, je vois que c'est égal à 2 fois F1' plus une fois F2'. Donc la première colonne de la matrice de F dans les bases B1, B1', ça ne va pas être 3, 1, ça va être 2, 1. Pour avoir la deuxième colonne, je calcule F2, F2, ce qui me donne F2, 1, 0, 1, qui est égal, si vous calculez ça avec la formule qui donne F au vecteur 2, 1. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la deuxième colonne de la matrice de F dans les bases B1 et B1', c'est 2, 1, puisqu'il faut d'abord exprimer ce vecteur dans la base B1', et non dans la base canonique. Et on voit que là, 2, 1, c'est F1' plus F2'. Donc c'est une fois F1' plus une fois F2'. Donc la deuxième colonne, c'est les coordonnées de F2, F2 dans la base F1', F2', c'est 1, 1. Et enfin, pour obtenir la troisième colonne, je calcule l'image du troisième vecteur de base. J'obtiens 1, 2, que je peux écrire sous la forme 2 fois F2' moins F1', autrement dit moins 1 fois F1' plus 2 fois F2'. Donc la troisième colonne de la matrice de F dans les bases B1 et B1', c'est moins 1, 2. Et donc on obtient comme ça deux matrices différentes selon quelle base on choisit. Et une des choses qu'on va faire cette année, c'est de voir pour une application linéaire donnée, est-ce qu'il existe des bases dans lesquelles sa matrice va être très simple, de façon à ce qu'on fasse les calculs très facilement. Et les matrices simples, c'est typiquement... Bon, il y a la matrice identité, mais tout le monde ne peut pas être la matrice identité, ça va être les matrices diagonales. Donc ça, c'est quelque chose dont on va reparler, dont vous allez certainement reparler très prochainement. Mais du coup, un truc qui serait intéressant de savoir, c'est très bien, donc si je prends des bases différentes, j'obtiens des matrices différentes, est-ce qu'il y a moyen de passer de l'une à l'autre en restant dans les matrices? On a dit que c'était plus facile de calculer dans les matrices, du coup, et on a vu aussi que c'était pas très compliqué de calculer la matrice d'une application linéaire dans la base canonique, parce que les vecteurs de la base canonique sont simples, et parce que ce qu'on obtient, c'est directement les bons vecteurs. Alors qu'ici, c'est un peu lourd, il faut quand même... Là, j'ai mis sous le tapis, mais il y a un calcul à faire ici, pour trouver les coordonnées de chaque vecteur dans la nouvelle base, etc. etc. Est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser les matrices pour passer directement de l'un à l'autre? Si je vous le dis, c'est certainement qu'il y en a un. C'est ce qu'on appelle la formule de changement de base.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que cette formule qui nous permet de passer de la matrice de F dans une base donnée à la matrice de F dans d'autres bases? C'est une formule qui fait intervenir ce qu'on appelle la matrice de passage entre deux bases. Donc si je prends B0, B1, deux bases sur le même espace vectoriel E, la matrice de passage de B0 à B1, c'est la matrice définie comme suit. On va la noter P de B0 B1. Et c'est la matrice dont la jm colonne. Alors attention, ça va être un peu abstrait. C'est les coordonnées du jm vecteur de B1 dans la base B0. Donc le jm vecteur de la nouvelle base B1. On l'exprime en coordonnées dans la base B0. Souvent B0, ce sera la base canonique, donc ça ne sera pas la mer à boire. Et ça nous donne la jm colonne de la matrice de passage P de B0, B1. Donc prenons un exemple pour fixer les idées tout de suite. Si je prends B0 prime la base canonique sur R2, comme tout à l'heure. Et B1 prime la base que j'ai pris juste avant, donc 1, 0, 1, 1. Alors, la matrice de passage de B0 prime à B1 prime, c'est la matrice carrée, dont la première colonne s'est donnée par les coordonnées du premier vecteur de B1' dans la base canonique, donc c'est tout simplement 1, 0, et la deuxième colonne s'est donnée par les coordonnées du deuxième vecteur de B1' dans la base B0' dans la base canonique, donc c'est tout simplement 1, 1. Deuxième exemple, si je prends B0, la base canonique de R3 cette fois, et B1, la base que j'ai utilisée à l'exemple juste avant sur R3, donc la base F1, F2, F3 des vecteurs 1, 1, 0, 1, 0, 1 et 0, 1, 1. Alors la matrice de passage de B0 à B1, sa première colonne, c'est les coordonnées du premier vecteur de B1, les coordonnées de F1 dans la base canonique, dans la base B0, ce qui me donne tout simplement 1, 1, 0. Du coup, les autres colonnes, c'est 1, 0, 1 et 0, 1, 1. Ok, super, c'est pas la mer à boire à calculer, en tout cas dans le sens là. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne. Ah oui, avant que je vous dise ça, une propriété intéressante une propriété intéressante des matrices de passage. C'est que donc, la matrice de passage dans l'autre sens, de B1 à B0, donc là vous voyez que ce serait un peu plus pénible à calculer. Il faudrait trouver les coordonnées des vecteurs de B0, donc les vecteurs de la base canonique, il faudrait les exprimer dans la base B1. Ou alors, il y a cette formule qui nous dit que pour calculer cette matrice-là, il suffit de prendre l'inverse de la matrice B0, B1. Ça, c'est une propriété très intéressante des matrices de passage parce que ça nous permet d'inverser le changement de base en calculant simplement l'inverse de la matrice de passage. Et maintenant, c'est quoi la fameuse formule de changement de base? Proposition à nouveau. Donc je reprends mes notations précédentes.
F, c'est une application de E dans F. B1 et B0, c'est des bases sur E. B1' et B0', c'est des bases sur grand F. Et la matrice de F dans les bases B1, B1', c'est égal à la matrice de passage de B1' à B0', fois la matrice de F dans les bases B0, B0', fois la matrice de passage de la base B0 à la base B1. Vous le verrez fréquemment pour des endomorphismes. Donc, si F est un endomorphisme, que nous donne cette formule? Elle nous donne que la matrice de F dans la base B1, c'est égal à la matrice de passage de B1 à B0, fois la matrice de F dans la base B0, fois la matrice de passage de B0 à B1. D'après la propriété qu'on vient d'énoncer, on a donc l'inverse de la matrice de passage de B0 à B1, fois la matrice de F dans la base B0, fois la matrice de P dans la base B0, B1. On a P-1 fois A fois P, où A est la matrice de F dans la base B0. Et du coup, je vous laisse vérifier en faisant le calcul que si on reprend notre exemple précédent, donc on avait obtenu que la matrice de F dans les bases B1 et B1' qu'on a choisi tout à l'heure, donc là je reprends mon exemple de l'application F de R3 dans R2, 2x plus Y et Y plus Z. On avait obtenu que dans les bases B1, B1', on avait la matrice 2, 1, 1, 1, moins 1, 2. Et on vérifie que c'est égal au produit suivant. Donc il nous faut la matrice de passage de B1' à B0'. On a dit que c'était l'inverse de la matrice de passage de B0' à B1', qu'on a calculé juste avant, c'est-à-dire c'est l'inverse de la matrice 1, 0, 1, 1. Donc ici, si on applique la formule de changement de base, on devrait trouver que cette matrice-là, elle est égale à l'inverse de la matrice 1, 0, 1, 1, fois la matrice de F dans la base B0, B0'. Donc on avait obtenu 2, 0, 1, 1, 0, 1, fois la matrice de passage de B0 à B1, c'était 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et donc je vous laisse en exercice de calculer déjà de calculer l'inverse de cette matrice-là, puis de calculer ce produit de trois matrices et de vérifier que ça nous redonne bien ce qu'on avait obtenu dans les bases B1 et B1'. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir effectuer des changements de base en restant dans le monde des matrices où les calculs sont relativement simples, surtout avec un ordinateur. Dans la prochaine vidéo, on verra comment appliquer ceci pour déterminer ce qu'on appelle le noyau et l'image d'une application linéaire qui nous permettent de savoir si elle est injective, surjective, bijective.